Objectif du jour, essayer de réaliser ça, mais sans le vide, hein, si possible, parce que c'est cool si on ne meurt pas sur cette vidéo. Spoiler, j'offre la possibilité à 5 d'entre vous de gagner 5 slackline pour faire des singeries à la maison. Pour tenter de remporter la tienne, check la vidéo jusqu'au bout. Enjoy! Ce bâton. Vous allez bien, vous êtes en forme. Moi, j'ai postillonné de ouf. J'ai décidé de m'occuper. Yeah. Ok, de tout refaire parce que le son avait pas pris. Merde, en version bref. On est en période de confinement, vous le savez tous, il faut qu'on s'occupe. On va slackliner. Je n'ai jamais slackliné de ma vie. Ça risque d'être très intéressant, il risque d'y avoir beaucoup de fails. Hello from the other side. C'était juste là, non? Test the guy you thousand times. Ok, objectif, trouver où on met la slackline. Objectif numéro 1, faire ça rapidement et en douce parce que mon papy il est juste derrière là. S'il regarde, il va me tuer s'il voit qu'il y a une slackline et que je vais pas demander. Moi je pense que là, on oublie. Là, on oublie. On oublie. Ça, c'est pas dégueu. Je crois que j'ai trouvé, mais je crois qu'il va falloir faire un peu de ménage dans l'arbre. Là, au sapin qui a Al. Donc je vais demander à papy si j'ai le droit de couper. En fait, c'est un vlog le truc. Papy. Les branches du sapin, je peux couper en bas pour qu'on puisse passer en dessous. Ou pas? Oui. Oui. Allez, je m'en occupe. Merci. On a une scie? Moi, faut pas avoir de scie. Du coup, moi, soit aller demander aux voisins. Je suis sorti de chez moi sans attestation de dérogation, tout ça. C'est un coup, je vais me faire éclater. Coucou. Il est là, papa. Faut que je lui demande un truc, s'il te plaît. Oh, c'est pas mal, ça. Franchement, c'est bon, c'est pour débroussailler un peu le sapin. Donc. Merci. Si tu veux, mais je sais pas si tu me verras. Ils sont trop mignons. J'ai les meilleurs voisins du monde. Tac, tac, c'est un vilain arbre. Oui, allez. Ok, j'ai jamais utilisé de hache. Cool que je me tue pas. Et dire qu'on m'a agressé avec ça, putain. Pour ceux qui voient pas de quoi je parle. Mais c'est génial. Je me découvre une autre passion là. Je veux être ébéniste. Yes. Voilà le chef d'œuvre. Juste 2-3 trucs que j'avais pas pris en compte. Le premier est qu'il y a un arbre au milieu. Déjà que c'est compliqué cette merde. Oh, la MJ. Va falloir jouer à esquive. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est que... Donc là j'ai mis une corde. Ça c'est quand t'es nul et que tu commences. Ce bâton il tient. Ou OMG. Mais ce bâton. Genre ce n'est pas un endroit du tout optimal. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. J'ai trop la flemme de refaire le setup ailleurs. Un peu de repos et on se répond sur la question. Hey yo, on est absolument 2 semaines plus tard et le seul moyen que j'ai trouvé pour commencer cette vidéo, c'était de déplacer ma slackline chez mon voisin, qui se trouve être un de mes meilleurs potes, donc c'est plutôt pratique. C'est tout propre. Enfin, je pense qu'on peut attaquer ce défi. Le mec m'a quand même dit, est-ce que c'est dur? Héros, si tu arrives one shot, je t'insulte par contre. L'objectif, je pense que ça va être d'aller de là à là-bas et de faire un aller-retour. Je sais pas ce que vous en pensez à ce stade de la vidéo, vous avez pas encore vu mon niveau. Oh, toujours plus. Coupe l'arbre aussi, non? It's day one, hour zero. En plus, j'ai oublié la corde chez moi. Normalement, il y a une petite corde pour les débutants. Et tu t'es censé te tenir un peu avec. On attaque direct dans la cour des grands. Regarde, parce que j'ai compris, il y a le droit comme ça. Après l'autre, et les bras ils sont hauts. Waouh! 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 Ça va être chiant, mon pote! Donc il y a 2 trucs que je sais. Donc il y a les pieds par pied. T'avances pas tant que ton pied il est 100% stable. Et quand tu lèves le pied arrière, celui-là il a tout le poids du corps. Et tu poses, d'abord t'attends, ensuite tu poses ton poids du corps. Ensuite tu vas, c'est vraiment comme un chat, tu vois. Ouais. Et les mains ici, au-dessus de la tête. Ils bougent comme ça, les mecs. Exactement. La position de base, là tu pars comme ça. Enfin, tu squattes à une jambe pour monter. Wow, on a fait 3 pas. Day one, hour 5 minutes. Thank you.
C'est bon, je commence à sentir un peu des trucs. Cette technique de ouf. Gaine tout, contracte tout par de loin. Quand t'avances, t'as tout le poids du corps sur ta jambe avant. Ok, ça fait absolument 10 minutes qu'on a commencé et je crois que je viens de capter où est-ce que le travail va se situer. De ce que j'ai compris, c'est une question de gainage de ouf. Si t'es gainé, que tu contractes vraiment partout, quand tu vas avoir un déséquilibre, tu vas le sentir et tu vas essayer de contracter et d'aller de l'autre côté et tu vas le bailler. Stylé comme sensation, je connaissais pas, c'est intéressant. Surtout que je suis super mauvais à tout ce truc d'équilibre de base alors... Ouais, t'as bien, on a bien fait de la tirer. Ouais. Cherche pas à avancer tant que t'es pas stable. Baisse-toi bien fort, mets tout ton poids dans la corde. C'est marrant parce que c'est très frustrant d'être sur un truc aussi instable qui bouge en fonction de toi, genre. Il y a des mecs qui font en arrière. En fait. Allez, celui-là, on est bon. Une tortue, là, que t'es dessus. Salut, toi. Elle veut pas manger, elle est gentille. Là il est 17h39, c'est tout nouveau comme sensation, c'est bizarre de ouf parce que ouais, tu mets ton pied dessus, tu déséquilibres d'un côté, du coup tu vas de l'autre côté, du coup ça te déséquilibre encore plus pour revenir de l'autre, c'est vraiment bizarre comme sensation. Première étape ça va être d'essayer de faire un aller, deuxième étape après pour essayer de faire des singeries comme il est en train de faire, mais le truc le plus compliqué je pense ça va être réussir à faire un aller. Ah c'était bon. Je sais, j'ai pas mis mon pied au bon endroit. Oh je vais me prendre un coup de pelle. Mais n'empêche que... Arrête les conneries, t'es. Et avant de partir faut que tu sois stable. It was back in late December when I... Le doigt de pied il s'accroche à la barre vraiment comme Mufasa s'accrochait au rocher avant de se faire éclater par Scar. Avec du cœur, avec de la passion. Et si ça te parle pas, t'as le droit de quitter cette vidéo maintenant. By the way, si tu peux mettre un pouce bleu pour la ref, maintenant j'apprécierais. You tu l'as. On va à droite, allez. You get it, bro. Je suis bon, juste mon pied il va pas au bon endroit parce que je rate pas la corde. N'empêche que je suis allé loin. Et pour arriver là-bas intact, mon pote, bonne chance. Ah non, je pense que c'est juste l'heure de travailler. Ah oh, ça fait peur de ouf. Et tout doux, ta jambe, elle va passer devant. Oui. C'est ça, gros. Ça va, ça. Ah, putain. Arrête. Là, j'étais bien, là. Regardez ce qu'il conseille, je sais pas, 2-3 sites, genre débuter la slackline et tout ça. Étape 1, apprendre à rebondir sur la sangle. Étape 2, apprendre à tenir sur un pied pendant 10 secondes. Étape 3, apprendre à toucher la sangle avec la pointe du pied libre, donc celui qui est devant. Étape 4, apprendre à transférer son poids, donc réaliser son premier pas. Étape 5, apprendre à enchaîner les pas. Ton pied, au début, il se pose pas. Il touche la sangle et ensuite il se pose devant. Bang bang. Calme-toi, ton frère il est arrivé là. Les coudes au-dessus des épaules, les mouvements de bras se déroulent au-dessus de votre tête. Fixez votre regard et concentrez sur votre respiration. Tu sais que tu tombes, mais t'essayes de contrôler le truc jusqu'au dernier moment pour voir si tu peux revenir, genre. Le mec il a fait un squat. I'm Spider-Man. Si on devait traverser un 2 immeubles, on serait déjà mort à 8 fois, frère. Ça c'est le karma, ouais. Ça fatigue de ouf, hein. Ah, arrête. C'est bien. C'est bien. Ah. Ah. Oui. Un sauvetage de l'extrême, tu l'as vu celle-là? Avant ce soir, il y en a un qui a intérêt d'y aller. Je fais de la merde avec mon poids du corps. Ah ah. Regardez où je suis. Le truc s'arrête vraiment là. Waouh, on était si close. J'y retourne. Ça va rentrer, ça va rentrer. Fact, ça m'explose, fact. On n'a pas le droit de pas réussir. Yes boy, yes boy, yes boy. Come on, boy!
Come on. Shut up. Mentalement, quand t'arrives par là, tu sais que t'arrives loin. C'est mort. Ouais, une fois que t'as passé le milieu, c'est bon. Ta gueule, c'est pas bon du tout. Bah alors là, mon pote. Y'a quoi, maman? Y'a quoi? Boum. Il est 18h30. Ta-da. On a fait un aller en ce timing. Premier step, motherfucking down. Allez, ma boy. Allez, focus. Tu l'as. Allez, tout doux. Putain, il l'a mis après Vivi. That's my boy. Allez, ça part. 4000 balles, ouais. Objectif, y aller et clôturer le truc avec l'aller-retour hein, le plus vite possible. Donc, moi dans le sondage, juste là, si vous pensez que celui-là il passe. Pas tombé. Ça compte. Si j'y arrive, c'est la fin du practice là. Jamais fait dans ce sens-là, c'est super perturbant. Le retour ne compte pas. Putain, encore un peu de practice pour l'aller-retour. En tout cas, on a mis l'aller en moins d'une heure, donc ça, c'est cool. C'est l'heure de faire une petite pause. Backflip, man. See you. Bon, là, on en est avec le backflip à l'heure actuelle. Donc, techniquement, j'ai tout qui va. Ça rentre, c'est propre, c'est carré. Juste psychologiquement, pour lancer les premiers, j'ai besoin que c'est nul, hein, qu'on mette la main dans le dos et que je sens que j'ai un truc dans le dos. Donc, practice makes perfect. Comme vous savez, maintenant, c'est juste une question de pratique. Le jour où j'en aurais mis, j'en sais rien, peut-être 1000, 1500, 2000. Pas forcément, au bout d'un moment, à force de répéter le même mouvement, t'as de moins en moins peur. Mais en tout cas, comme vous le voyez, t'as progressé. Non, vous êtes trop loin. Je suis là. C'est nul, hein. Ça se voyait, Team Buddies. J'ai appris à mon poulain il y a pas longtemps. Ça fait 3 jours qu'il en fait. Wow. Allez. C'est moi, c'est normal. Je t'ai fait tourner plus. C'est bien. Très bien. Là, tu vois, c'est con, mais là, il n'y a plus de présence à ma droite et je me sens tapette. Alors que je sais que ça change rien. Là j'essaye de convaincre ma tête d'y aller, mais elle veut pas. Genre. Là, je vais essayer d'en enchaîner. Et toi, ton but, ça va être de se mettre là, petit à petit, te décaler, sortir du champ. Tu vois, je sais que ça passe, là. Je sais que ça passe facile. Tu sais que je suis pas là, je sers à rien. Mais je sais. C'est ça, le pire. Yep. Merci, bleu. Il y a 3 jours, il nous a fait ça. Oh. Maintenant, il en est là. You got it, bro! C'est toi, c'est mignon! Allez! Ah. Allez! Oh, ça rentre! Regarde! T'es solo là, mon pote! C'est bien! C'est l'heure du premier, tout seul, sur l'herbe. Très haut, très fort. You got it! Vas-y, sans moi, j'en mets un. Trêve de backflipperie, il est temps de clôturer ce défi. Enfin, d'essayer de clôturer ce défi. Pas tomber. Je sais pas si ça compte, mais peut-être pas chez les puristes, mais pour moi ça compte. Bon, allez. Allez. Oh. We did it, motherfucker! I'm done. Ça épuise, on dirait pas, hein, mais au milieu là, c'est là où elle est le plus instable. Erreur, elle pardonne pas, genre. Good night, fam.
What's up, ça va? Écoute, j'étais en train de me demander comment on va faire pour vous faire gagner les 5 slacklines que j'ai négocié avec la marque Gibbon Slackline, qui est un des leaders de la slackline en France, dont d'ailleurs j'étais censé recevoir un appareil de fou, mais que je vais pas pouvoir vous montrer dans cette vidéo. C'est en fait une slackline pour quand t'as pas d'arbre, donc ça s'appelle un slackrack et c'est pour t'entraîner chez toi, en appartement ou n'importe où. Mais là, avec le virus et tous les problèmes de livraison, c'était so compliqué, donc ce sera dans une prochaine vidéo. Parce que la slack, à l'inverse de par exemple la magie, j'ai vraiment kiffé et je pense que je vais vraiment tryhard que peut-être qu'on pourra cumuler deux practice makes perfect, genre faire un backflip sur une slackline ou faire un handstand sur une slack, je sais rien. Mais en tout cas, je sais que c'est un truc où je me verrais bien progresser et ça m'intéresserait de progresser, donc je vous présenterai ce gros bébé une fois que je l'aurai reçu. Mais bref, bon, à la base, j'étais en train de me demander comment je vais vous départager pour les 5 slacklines qu'on a à vous faire gagner. Vous savez quoi? Étant donné que c'est pas un placement de produit ou quoi et que c'est vraiment un cadeau que j'ai demandé à la marque pour vous, bah, j'ai pas de conditions imposées ou quoi, donc bah, les conditions, je vais les sortir de ma tête maintenant. La première condition, ça va être d'être abonné à la chaîne Instagram et YouTube de Bibi, bien sûr, parce que sinon. Et d'ailleurs, si vous êtes pas abonné, hein, que vous voulez jouer ou pas, c'est cool de s'abonner maintenant parce que vraiment, regardez le pourcentage d'entre vous qui viennent, consomment le contenu et repartent comme des ratons laveurs après avoir pillé les croquettes du chat. Vous êtes pas des ratons laveurs? Laissez un follow, laissez un pouce bleu. Merde. Être abonné à Instagram et YouTube de Bibi et mettre en commentaire pourquoi toi et pas un autre. Tu mérites de gagner cette slackline. En sachant qu'il y en a 5, ça vous fait 5 chances de gagner et voilà. Je vais pas faire un truc genre les 5 plus likés ou quoi parce qu'il y a plein de gens qui peuvent douiller si par exemple ils ont une communauté sur Instagram, ils ont juste à la ramener et à lui dire de la liker ou quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionnera au hasard parmi ces commentaires là. La réponse sera donnée sur mon Instagram lors de la sortie de la prochaine vidéo. Donc stay updated. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment ça se passe. Le pouce bleu des familles, le commentaire des familles. Et je sais pas encore si je voulais choisir juste là, dans le sondage, le sujet de ma prochaine vidéo. Je sais pas. Je sais pas si. Mais si, c'est toi qui choisis. Allez, ça se passe juste là. Peace out, buddy. John, est-ce que tu peux remplacer ces miaulements par des bruits d'autres animaux? Oh, bébé.